y a 100 ans aujourd'hui, le 13 février 1924, naissait Jean-Jacques Servan-Schreiber. Un des aspects les plus vivants du message qui nous est transmis dans son action politique, c'est son attachement à la décentralisation. Jean-Jacques Servan-Schreiber pensait que la France était un pays trop centralisé, qui étouffait les énergies locales et qu'il fallait faire davantage confiance à la capacité de faire des maires et notamment aussi des présidents de région. Bref, qu'il fallait réformer notre pays dans le sens d'une plus grande confiance aux pouvoirs locaux. Ce message, nonobstant les lois de décentralisation du début des années 80, est toujours aujourd'hui d'actualité et c'est la raison pour laquelle l'exemple qu'il nous a laissé est encore aujourd'hui à méditer.